aujourd'hui, je m'en vais avec ma chum de fille. On s'en va à Coansville. Il y a une vente de costumes de bain, de bikini, en liquidation. Parce que, tu sais, après deux grossesses, une derrière l'autre, deux étés à avoir des bikinis enceintes, mettons qu'avec la grosseur. La grosseur de sein que j'avais, la BDM, j'avais pas mes bikinis sont un petit peu trop grands. J'ai un peu beaucoup maigri depuis mes deux grossesses. Fait que on va aller voir ça. Je suis pas du genre à acheter des bikinis qui coûtent cher dans des magasins. Je me baigne pas souvent, mais là j'ai déménagé dans une maison où on a une piscine. Fait qu'on va en profiter cet été. Fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air, si les prix sont raisonnables pour une liquidation. Puis je vais vous montrer ce que je vais avoir trouvé. Fait que là, je suis en direction de Coansville. Il fait pas super beau, hein? Il pleut. C'est pas super le fun, mais au moins il fait chaud. Fait que puis c'est pas de la neige. Fait qu'on s'en va voir de quoi ça a l'air. Donc là, on est dans le magasin. J'ai fait mes achats. Ça a bien de l'allure. On a des beaux bikinis. Il y a vraiment beaucoup de sortes. Il faut fouiller pas mal, par exemple. Mais ça a bien de l'allure, puis je suis super bien contente de mes achats. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc là, on est revenu à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, en fait. Au magasin, là-bas, il y a plein de sortes, plein de compagnies. Moi, j'ai été plus avec le Body Glove. C'est quand même des maillots là, qui coûtent assez cher. Fait que c'était vraiment des bons deals. Là, moi, les maillots, c'était 15 $ le morceau. C'est pas des assemblés. Il faut vraiment que tu cherches pour trouver une culotte puis un haut. Des fois, il y en a qui manquaient. C'est vraiment... une fin de l'eau, fait que des fois il manquait des morceaux, mais je me suis trouvé quand même deux beaux bikinis, puis deux petits costumes de bain, un pour chaque fille. Donc je vais vous montrer ça, de quoi ça a l'air. Pour commencer, j'ai acheté ce bikini-là. Je trouvais pas de bas qui allait avec le haut que je voulais avoir. J'en voulais un noir. C'était sûrement toute partie parce que c'était ouvert hier aussi. J'ai pas pu y aller. Fait que je me suis trouvé un petit bas un petit peu plus orangé. Il est vraiment beau. Fait que ça fait un beau petit kit en arrière. C'est tout lacé. Qui est vraiment beau. Puis ensuite, j'ai acheté celui-là. J'aime bien le fluo. Je le trouve vraiment hot. Avec lui, j'ai pris une petite culotte plus garçonne, là, un petit shirt. Et il n'y en avait pas d'autre, mais je trouve ça pas mal beau en plus. Avec ce petit haut-là, hein, on aime bien. Ça fait pas mal plus sport. Sérieusement, là, j'ai découvert cette marque-là. Je la connaissais même pas. Puis je pense que je trippe là, avec ça. Et j'ai trouvé aussi des maillots pour mes filles. Je suis tombée en amour avec celui de ma grande. Sérieusement, il est écœurant. Avec un gros cornet de crème glacée. Je sais qu'elle va triper bien raide là, avec elle appelle ça de la glace. Là. Elle va l'adorer. J'ai bien hâte de l'avoir là-dedans. Ça, c'est celui que j'ai trouvé à ma grande. Il est écœurant. Puis en plus, il est ouvert dans le dos. Elle va être même stylée, la petite. T'sais. Il est super beau. Ça, c'est celui de mon bébé. Un petit maillot. Il est vraiment cute. Il n'y avait pas juste des maillots là-bas. Il y avait des fois des souliers, des shirts, des chandails de marque aussi. Moi, j'y étais plus avec le confo. Je me suis acheté des tops. Tu sais, des fois à la maison, surtout cet été, là, il va faire chaud avec un petit shirt sur le balcon, là, se faire bronzer ou aller profiter de l'extérieur. Fait que c'était 3 pour 5. Mauve, orange, puis bleu. Hein? Parfait. On a été aussi à l'aubainerie qui est à côté, l'aubainerie l'entrepôt. Il y a souvent des liquidations. Comme vous aimez, comme vous savez, j'aime beaucoup acheter des choses qui coûtent pas cher. Hein? Fait que j'y étais, j'ai trouvé trois beaux morceaux. J'ai trouvé une belle petite robe à ma fille, à ma plus vieille. Elle était 2,50 $. Hein? Je vais vous la montrer. C'est une belle petite robe. Elle est écœurante. Je la trouve tellement belle. 2,50 $, c'est pas cher. Elle va peut-être être un petit peu grande, mais au moins ça va y faire peut-être 2 ans.
si elle grandit pas trop vite, on espère. Je me suis trouvée aussi une belle robe, bien carottée. Elle est super belle. Puis ça m'a coûté genre... Ça m'a coûté 4 piastres. Elle est écœurante aussi. Puis des leggings à 3 piastres. C'est tout super beau, hein? Fait que ça a vraiment pas coûté cher. C'est vraiment des beaux achats que j'ai faits. Fait que je sais que ça continue demain, le 30 mars, pour à Coinsville pour les bikinis. Fait que ceux qui sont proches, là, qui voient la vidéo, ben vous irez. Puis la Binerie Entrepôt à Coinsville, ben il l'a toujours. Fait que vous allez pouvoir y aller tout le temps. Si des fois vous voyez d'autres liquidations comme ça qui louent un local pour faire des ventes, ben oubliez pas, en fait, vous pouvez simplement me taguer, là, puis ça va me faire plaisir. Si j'ai le temps, je vais y aller, puis je vais aller voir là, ce qu'il y a de ce côté-là.